Bonjour Stuart, comment allez-vous aujourd'hui? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Minecraft les amis. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale. Alors du coup aujourd'hui qu'est-ce que nous allons faire? Comme c'est plus grand, voilà, je suis actuellement à l'île secrète. Et puis je suis pas tout seul parce que je suis avec mes deux enfants. Regardez, il y a Lola et Twitwi qui sont juste là. Et puis du coup aujourd'hui qu'est-ce que nous allons faire? Aujourd'hui on va tenter de troller mes enfants avec une manière un petit peu particulière. Parce que du coup j'ai cru comprendre comme qu'aujourd'hui il va y avoir une invasion d'araignées dans la ville. Et puis du coup il va se passer des trucs un petit peu hardcore. Donc c'est pour ça, toi qui regardes la vidéo derrière ton écran, n'hésite pas à la regarder jusqu'à la fin, c'est super important. Et puis en plus tu vas voir que la vidéo va être super cool. Donc c'est pour ça, si tu ne l'as pas encore fait, n'hésite pas dès maintenant aussi à pourquoi pas mettre un petit pouce bleu sous la vidéo. Et surtout très important, de t'abonner à la chaîne YouTube en activant la cloche de notification. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis en plus comme ça tu me soutiens à ce que je sorte encore plein d'autres vidéos avec mes enfants. Et puis Marina, d'ailleurs voilà, vous êtes nombreux aussi à me demander où est passée Marina dans mes vidéos. Voilà, je vous rappelle, voilà, c'est une petite surprise que je vous fais, mais elle devrait arriver dans la semaine. Mais si vous voulez le retour de Marina, il faut que tout le monde s'abonne à la chaîne, parce que Marina reviendra officiellement dans mes vidéos quand j'aurai les 600 000 abonnés. C'est pour ça, si tu t'abonnes dès maintenant à la chaîne et qu'on obtient les 600 000 abonnés, Marina sera donc de retour. Et donc du coup je suis aussi avec mes enfants. Donc du coup comment vous allez, Twitwi, là ça va? Oui. Super super. Bon alors oui, exact. Donc du coup les enfants, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Je vois vous amusez un petit peu, vous faites quoi? On se bagarre. Oula, non non, pas de baston les enfants, restez sages. Waouh, Twitwi, t'as fait ça comment là? Ah ouais, ok. Bon, du coup les enfants, est-ce qu'aujourd'hui vous aurez pas aujourd'hui un petit défi de pouce bleu et d'abonnement pour tous les gens qui regardent nos vidéos là, pour tous nos copains qui regardent les vidéos? Vous avez un défi? Ouais, moi j'en ai un bon. Twitwi ce matin il m'a fait un doigt d'honneur, donc ils vont tous, les abonnés vont liker tous avec leur doigt d'honneur. Oh, wow. Attends, c'est vrai cette histoire Twitwi là, t'es sérieuse? T'es sérieux Twitwi? Pourquoi t'as fait ça? Hein? Attends. Allez, tu vas au coin, pour ce que t'as fait. Hop, là-bas. Allez, va tout de suite au coin. Mais bon, bah écoutez, voilà, on va quand même du coup garder ce défi. Donc c'est pour ça, hein, toi qui regardes la vidéo derrière ton écran, et bah du coup t'as entendu le défi de là, il faut que tu tentes de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et surtout de mettre un pouce bleu avec du coup le doigt qui se situe au milieu, donc du coup ton majeur. Normalement voilà, le doigt qui est le plus long de ta main. Et puis du coup si t'arrives à faire ce défi, franchement c'est que t'es très très fort, parce que du coup je pense qu'il y en aura que très peu qui vont réussir à faire le défi. Lola, tu penses que combien de personnes vont réussir à le faire toi? Moi tu... parce que 5, mais tout il a dit 3, mais moi parce qu'on fait que ça, okay, on se bat. Que ce soit 3 ou 5, au pire, dans tous les cas, on peut comprendre comme quoi il n'y en aura pas beaucoup qui vont réussir à le faire, quoi. Bon, oui. Bah, on verra bien combien de personnes réussiront à le faire. Mais donc, du coup, voilà, mettez tous un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Voilà, que 3 ou 5 personnes vont réussir à faire le défi. Tentez toute votre chance. Et si vous arrivez à le faire, franchement, c'est vous êtes les meilleurs, parce que seulement très peu vont réussir à le faire. Et je tenais aussi à remercier tous les nouveaux sponsors à la chaîne d'aujourd'hui, parce qu'il y en a eu encore plein. Merci beaucoup, les potes. Vous gérez de ouf. Merci, je vous remercie énormément. Et puis, évidemment, je vais vous faire une dédicace. Donc, je tenais à remercier aujourd'hui Johanny. Je remercie aussi Jérôme et Gauthier, Bibia, Sandrine, Isabelle et Skip, voilà, qui ont du coup pris le sponsor boss à la chaîne. Donc du coup merci beaucoup les potes, wouhou, voilà, vous êtes vraiment les meilleurs. Merci beaucoup. Et puis maintenant il faut remercier les plus gros sponsors de la chaîne YouTube, ceux qui sont du coup devenus méga king. C'est vraiment le plus gros grade de toute la chaîne YouTube, franchement eux c'est les meilleurs. Donc voilà, c'est exactement ça, c'est les c'est les méga kings quoi, c'est les méga rois, tu vois. Donc du coup je tenais à remercier Crazy BBS, Leila, Aiden, Benjamin, Lila, Fabien, Tryhard Gamer et Amir qui ont du coup voilà pris le grade méga king à la chaîne. Merci beaucoup les potes, ça me fait trop plaisir. Et puis du coup voilà, vous me soutenez à ce que je sorte encore plein d'autres vidéos chaque jour, merci beaucoup. Et puis n'oubliez pas que si vous aussi vous voulez être dédicacé derrière votre écran, il faut que vous deveniez du coup sponsor à la chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre ou alors le bouton devenir sponsor qui se trouve en première ligne de description. Tu cliques dessus et puis tu deviens sponsor. Et n'oubliez pas que je fais des dédicaces à chacun des sponsors, et plus vous prenez un grade sponsor élevé, plus vous aurez une grosse dédicace. Donc du coup, toi Lola, tu prendrais quoi comme grade si tu pouvais, enfin si t'en prends un, toi tu prends quoi? Avec ta cage, je prends Mega King. Le Mega King, ah nickel Lola, toi t'as bien compris. Et donc du coup, Twitwi, toi tu prends quel grade toi sur la chaîne? Mega King. Mega King aussi. Ah bon bah nickel. Bah écoutez, merci beaucoup les enfants. Bon, les enfants, restez. Non, très important, il faut que vous restiez à la maison aujourd'hui. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en gros aujourd'hui il va y avoir une sorte d'invasion d'araignées qui va arriver dans la... Ouais non mais criez pas, justement. Il va y avoir une petite invasion d'araignées et tout. Et ce que je vais faire, c'est qu'en fait je vais partir aller chercher des armes, etc. Donc on va s'armer et tout. Et puis on va essayer de combattre les araignées après, ok? Mais restez là pour l'instant les enfants, parce que ça risque d'être un petit peu dangereux. Et puis surtout très important, il y a des araignées. Je vous ai jamais précisé. Non mais Lola, range-moi ça, ça c'est un nerf ça. Range-moi ça. Lola, allez, range-moi ça, c'est qu'un nerf. Tu vas même pas attaquer une araignée avec ça. Ouais, ah ouais.
T'avais pas des armes dans ton dans ta cachette Bah j'en avais mais le truc c'est que j'en ai plus là actuellement, il va falloir qu'on en rachète. En fait j'ai plus de munitions. Mon bunker. En même temps, non. Tu me conduis toujours mes armes. Ouais mais c'est normal, c'est parce que tu fais des bêtises avec. Bon, hé, les enfants, restez ici. Ce qu'on va faire c'est que je vais m'occuper de chercher des armes, etc. Et puis je reviendrai tout à l'heure avec des armes et tout, et on combattra les araignées ensemble, d'accord? T'as déjà à revenir. Oui mais bien sûr que je vais revenir, mais super important, ne vous faites pas mordre par une araignée, parce que si vous vous faites mordre, et bah vous allez vous aussi vous transformer en araignée, d'accord? Hein, oh, je pourrais être Spider-Man. Ah ouais, non mais ça marche pas comme ça, ça va être un petit peu plus horrible que ça. Hein. Bon allez, je vous laisse là les enfants, restez ici hein, et sortez pas. Bisous. Allez, à tout à l'heure. Bon, et bah du coup les enfants, on va les laisser comme vous avez pu le voir, bah du coup à la maison, parce que, bon, évidemment, il va pas y avoir une vraie invasion d'araignées, il va y en avoir une, sauf que ce seront du coup des fausses araignées qu'on va tuer et tout. Et puis en fait, voilà, pourquoi est-ce qu'on va faire ça? Parce qu'en fait, aujourd'hui, je vais troller mes enfants en moi-même me transformant en araignée. Et puis du coup, après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme si on les mordait et tout, et puis vous allez voir, ils vont devenir un petit peu fous à mon avis. Donc c'est pour ça, quitte pas la vidéo et regarde-la bien jusqu'à la fin, parce qu'elle va vraiment être super drôle normalement. Mais juste avant qu'on fasse le défi de... Bah, juste avant qu'on se transforme en araignée, etc. On va aller voir vite fait Goospy qui s'occupe du coup de garder ma boutique de vêtements, comme vous avez pu le voir. Regardez, c'est le magasin de Goospy, voilà, qui s'occupe du coup de vendre mes t-shirts, etc. Donc on va aller le voir, j'espère en tout cas qu'il est là. Wesh, salut Goospy. Oh, salut Tuner, comment ça va? Bah écoute, ça va super, et toi Goospy? Ouais, ça va, regarde, je suis en train de rénover un peu le magasin. Ah ouais, tu le modernises. Ah ouais, ouais, parce que c'est vrai qu'il avait un petit coup de vieux là, il avait pris un petit coup de vieux quand même. Donc du coup, Goospy, tu t'occupes de le moderniser parce qu'il y a eu du nouveau apparemment dans la boutique aussi. Ouais, il y a eu des nouvelles choses, des nouveaux achats, et puis surtout, il y a eu une grosse nouveauté dans la boutique parce que maintenant, du coup, on a ouvert du coup les t-shirts premium, c'est-à-dire que c'est les t-shirts avec un petit plus dessus. Et comme vous pouvez le voir, quand on prend un t-shirt premium, il y a donc le logo Twinner à l'arrière, et ça franchement, est-ce qu'on fêterait pas ça avec une petite, avec des petits flèches? Avec des petits archives, vas-y. Ou une petite coupelle de champagne, ouais, en tout cas. Ouais. Voilà, donc du coup, comme vous avez pu le voir, les abonnés, enfin tous ceux qui regardent la vidéo actuellement, on a donc du coup ouvert on a donc sorti des tout nouveaux t-shirts. Donc du coup, c'est les t-shirts plus en fait. Donc voilà, si vous prenez un vêtement, s'il y a un petit plus à côté, et bah dites-vous qu'il va y avoir en plus de ça un logo Twinner à l'arrière qui est trop stylé. Et regardez comment ça se passe, du coup l'avant sera comme ça et l'arrière il y aura le logo Twinner. Donc franchement, merci à tous ceux qui prennent les t-shirts parce que vous êtes chaque jour de plus en plus nombreux à commander. Et merci évidemment à tous. Donc du coup, c'est quoi la liste des personnes qu'on a acheté aujourd'hui? C'est ici, regarde, c'est juste ici. Nickel. Bon bah du coup, je tenais à remercier aujourd'hui Claudia, Elora, moi et mes animaux, Jérémy, Lydie et Tribanu, voilà, qui ont du coup pris un article dans la boutique aujourd'hui. Donc du coup, ils ont pris... Je vais les livrer là. Ah, tu vas les livrer? Ah, t'as de la livraison à faire, c'est ça? J'ai les commandes là. Alors, tu vas livrer, mais tu seras là dans combien de temps? Parce que je vais avoir besoin de tes talents de sorcier après pour faire une potion pour que je me transforme en araignée en fait. C'est pas tout de suite, c'est ce soir que je pars. Ah, c'est ce soir, nickel. Bon bah écoute, ce qu'on fait c'est que je présente vite la boutique et puis après il va falloir que tu me crées une potion pour que je me transforme en araignée hein. Parce que j'ai un petit prank à faire aujourd'hui, tu vois. Donc, d'accord, tu m'expliqueras à ma maison. Tu t'expliqueras juste après. Voilà, bah au pire c'est quoi? Au pire attends-moi à la maison, sinon on fait ça. Vas-y, c'est bon, je t'attends chez moi. Vas-y, tu voles rien. Non t'inquiète, je vole pas. Je vole pas, t'inquiète. Allez, bon voilà, donc du coup il y a Goospy qui est parti. Bon voilà, je tenais en tout cas à tous vous remercier. Et puis n'oubliez pas qu'il y a plein de nouveaux articles. Voilà, vous allez pouvoir trouver du coup des vêtements. Donc des pulls, des t-shirts, des coques de téléphone, des mugs aussi comme vous avez pu voir juste ici. Mais on peut aussi évidemment trouver des coussins et des stickers, des serviettes de plage. J'ai encore plein de trucs comme ça, donc c'est pour ça, n'hésitez pas à cliquer sur la boutique de Twinner qui se trouve du coup en première ligne de description, juste à côté du bouton sponsor. Voilà, il y a un lien avec écrit Teespring, tu cliques dessus et puis normalement tu trouveras la boutique. Et merci évidemment à tous ceux qui prennent des articles, ça me fait trop plaisir. Et puis en plus voilà, n'oubliez pas que comme ça en plus vous avez une petite vous avez un petit souvenir des vidéos et tout, donc franchement c'est vraiment top. Et puis voilà, il y a plein d'articles. Et puis voilà, merci en tout cas, je vous rappelle encore une fois à tous ceux qui prennent des articles. Allez, bon, on est parti, on va aller voir maintenant Goospy qui est normalement rentré chez lui. Alors bon, je sais pas si j'ai un jet ski. Ok, on va prendre celui-là, j'espère que c'est pas le sien. Bon, pire il m'en voudra pas. Hein. Voilà, on va prendre le jet ski et puis on va directement aller voir Goospy. Je vais lui expliquer un petit peu en quelque sorte le prank que je vais faire aujourd'hui et tout. Et vous allez voir que ça va être assez drôle normalement. Donc allez, c'est parti, on va aller par ici. Voilà. Ok, nickel, c'est bon, je suis devant chez Goospy. Alors est-ce qu'il est là? Ok, donc à première vue il est pas dans son salon, peut-être qu'il est dans son jardin. On va aller voir dans le jardin s'il est dans le jardin. Ok, il est dans son jardin, regardez, il est juste là. Bon, Goospy, waouh. Ah, salut Tuller. T'as une de ces fusées mon gars, elle est trop stylée hein. Je vais partir sur la lune, c'est pour ça. Tu vas partir sur la lune toi? Ouais. Waouh. Ah ouais, c'est incroyable. Oh mais ça serait cool qu'on y aille ensemble sur la lune, ça te dirait? Ah ouais, c'est vrai que ça serait pas mal, ouais. Ça pourrait être cool qu'on aille sur la lune ensemble. Bon, ouais, vous savez quoi? Et on va faire un défi de like. Si jamais sous la vidéo il y a 5000 pouces bleus, attention je dis bien 5000, et bah j'organiserai un voyage sur la lune avec Goospy pour quelques jours. Ouais. Eh, on prendra les enfants ou pas?
Oh, je sais pas, hein, parce qu'imagine, il y a des extraterrestres ou quoi. Ouais, ouais, j'avoue, t'as raison. Bon, on va laisser, je laisserai Marina garder les enfants. Hein. Je pense qu'on va faire ça, ce sera plus une meilleure solution. Bon, et bah du coup, Gouspi, je suis venu aujourd'hui parce que on va avoir besoin de tes talents de marocain, de sorcier. Donc du coup, est-ce que tu pourrais me créer une potion pour que je me transforme en araignée, en fait? Peut-être que tu saurais faire ça, toi, non? Une potion, tu vois, genre une vraie potion stylée, que je me transforme en araignée et tout, et puis en vrai, ça pourrait trop être cool. Oh ouais, on peut le faire ça, mais par contre, il faut des ingrédients, quoi, pour... Ah, bah oui, c'est vrai, oui, bah oui, évidemment que t'as besoin d'ingrédients. Évidemment. Bah, dis-moi, du coup, t'as besoin de quoi? Parce que moi, je me transforme en araignée. Attends. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'on aille dans mon laboratoire pour que je regarde la liste. Ah ouais, t'as un laboratoire? Mais non, fais voir ça. Attends, on va aller voir, apparemment, les amis, Gouspi aurait un laboratoire, on va aller voir par ici. Wouah, mais c'est un vrai laboratoire nucléaire là-dedans. Ah ouais, truc de ouf. Fais gaffe, touche pas les lasers, ils te brûlent. Ah ouais, d'accord, ok. Bon, on va essayer de faire gaffe de pas toucher les lasers parce qu'apparemment on pourrait prendre feu. Alors attends, d'accord, regarde pas le code. Ok, je regarde pas le code. Quoique, c'est quoi? Ah, j'ai pas réussi à voir. Voilà. Ouah, et là, comment on fait là? Non, t'inquiète, c'est bon, eux ils font pas mal. Ok, ils font pas mal ces lasers là. Eux non plus. C'est rien l'alarme. Ah, ah, y'a du tir, c'est pour faire tuer aussi un voleur. C'est bon, c'est bon, nickel. Bon. Allez, viens. Wouah, mais c'est trop. Oh oui, mais tu sais qu'il... Touche pas ce levier, attends, je vais le casser. Ouais. D'accord, ouais, mais en tout cas, ton laboratoire, il est vraiment incroyable. Hein. Je sais pas qu'est-ce qu'on peut faire là-dedans, mais attends, mais on dirait comme un laboratoire pour aller quelque part. Attends, si on se met là-dedans, il se passe un truc ou pas? Bah, en fait, de base, c'est le laboratoire d'un scientifique qui fait des machines à retourner dans le passé. Ah, mais oui, j'en avais entendu parler. Un peu. Ah, d'accord, tu l'utilises aussi un petit peu, d'accord, ok. Bon, bah, je comprends. Bon, alors, attends, laisse-moi voir la machine pour voir c'est quoi les ingrédients. Ouais, parce qu'il faudrait vraiment que je me transforme. Attends, je vais prendre un livre parce que du coup, je sais pas trop de quoi je vais avoir besoin comme ingrédient. Alors attends, je prends le livre. Ah merde, tu l'as récupéré. Attends, j'en prends un autre. Hop. Putain, voilà, c'est bon, nickel, j'ai le livre. Ok, donc du coup, je vais avoir besoin de quoi, alors, dis-moi, je vais regarde dans la machine. Alors, il faut deux œils d'araignée. Deux yeux d'araignée, voilà. Un bâton de blaze. Attends, j'écris araignée. Bâton de blaze, ok, bah je sais pas trop où on pourra trouver ça. Ok, après. Deux boules de slime. Ouais, mais attends, c'est des trucs trop bizarres qu'il faut. Ouais, après. Une fiole d'eau, ok, bon, ça devrait le faire. Ok. Un chaudron et du feu. Un chaudron. Oh, bah, et donc, il en faut des choses, hein. Je sais pas où je pourrais trouver ça. Ah, bah, je sais. Mais si, je sais. Chez Apu, mais lui, il vend tout, lui. Ok, ok. Voilà. Vas-y. Nickel. Bon, bah, du coup, deux yeux d'araignée. Je répète, hein, pour tout le monde. Deux yeux d'araignée, un bâton de blaze, deux boules de slime, une fiole d'eau, un chaudron et du feu. Et donc, du coup, avec tous ces ingrédients, tu devrais normalement pouvoir me faire une potion pour que je me transforme en araignée, c'est ça? Hein, okay, ouais, c'est ça. Parfait, Gouspi, nickel. Bon, bah écoute, Gouspi, ce que je fais, c'est que je vais te laisser, je vais aller chercher tous les ingrédients. Et puis, bah, du coup, tu m'attends chez toi, comme ça, je vais tout faire et tout, ok? Vas-y, alors attends, faut que je t'ouvre. Vas-y, ouvre-moi bien la porte, là, du coup, bah, mets le code ici, là, je sais pas c'est quoi. Hop, allez, mets le code, nickel. Bon, bah, moi, j'y vais, Gouspi, hein, je cherche les ingrédients. Allez, vas-y, à tout à l'heure. Bon, nickel. Bon, voilà, il y a Gouspi qui m'a donné la liste d'ingrédients en total, enfin, de tout ce que je vais avoir besoin. Donc, deux yeux d'araignée, un bâton de blaze, du slime, de l'eau, des chaudrons et du feu. Donc, on va maintenant partir en direction, du coup, de l'épicerie de chez Apu. Voilà, la toute nouvelle épicerie, parce que elle a été rénovée, par Gouspi, je crois bien. Donc, franchement, elle est devenue super stylée, elle est grande et tout, donc ouais, vraiment top. Et vous avez pu le voir maintenant, on a des caddies et tout, donc franchement, elle est incroyable. Mettez-moi dans les commentaires une petite note sur 10 de l'épicerie. Et puis, du coup, c'est parti. On va aller voir si Apu est là et tout. Normalement, je pense qu'il est là, cette heure-là. Allez, hop, on va rentrer directement. Hop, nickel. Bon, alors regardez, il y a Apu qui est juste ici, c'est parfait. Bon, on va aller voir comme d'habitude l'épicerie. Voilà, ça change pas, hein. Vous avez vu, il y a toujours les fruits et légumes un petit peu périmés là, qui donnent pas trop envie en vrai. Donc du coup, voilà, ils sont juste ici et tout, voilà. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a du coup les vêtements de la boutique, hein, comme vous avez pu voir encore une fois. Et puis ici, qu'est-ce qu'il y a? Ah, regardez, il y a donc du coup... Ah, il y a des articles, qu'est-ce qui se passe? Ah bah regardez, il est en train de faire un stock d'articles là, je crois. Regardez, il y a des trucs d'araignée, des trucs de blaze. Oh, wesh, Apu, ça va ou quoi? Wesh, wesh. Oula, tu viens de récupérer des articles là, c'est ça? Ah ouais, j'ai trouvé dans la nuit. Du coup, t'as trouvé quoi comme article là? Parce que je vais avoir besoin d'articles aussi. Dis-moi de te voter parce que là il faut Ok, donc du coup je t'explique. Alors j'étais parti, enfin je vais avoir besoin de différents trucs. Je vais avoir besoin d'œil d'araignée, des bâtons de blaze, de boules de slime, de fioles d'eau, de chaudron et du feu. Tu penses que je vais pouvoir trouver ça où? Parce que je vais vraiment avoir besoin de tout ça, tu vois. Chapeau. Hein? Chapeau. Quoi? Attends, tu penses vraiment avoir tous ces articles toi? Ouais. Wow, oh mais ça serait trop stylé parce que j'ai vraiment besoin de ça urgent. Alors,
Donc du coup, ouais, regarde, là, je vois des yeux d'araignée, je vois du bâton de blaze, je vois du slime. Il nous faudrait aussi de l'eau, un chaudron et du feu, en fait. Oh là là. Je vais donner un briquet qui vient. Ouais, bah oui, le briquet, ça devrait le faire. Oh, mais en tout cas, les amis, vous avez pu le voir, mais regardez, Apu, au moment où j'arrive, il a exactement un déstockage en plus de tous ces produits-là. Donc c'est bah, tout cela dont je vais avoir besoin. Et bah écoute, bah du coup, Apu, je vais te prendre tout ça en deux exemplaires, du coup, voilà. Tout ce qu'il y a sur cette ligne-là, tu me mets tout ça x2. Et puis, bah du coup, c'est tout ce que je vais avoir besoin, je pense, même si ça sera déjà pas mal. Et du coup, je vais devoir payer combien pour tout ça? Gratuit. Gratuit, t'es sûr, Apu? Attends, mais t'avais pas des problèmes d'argent et tout, d'après ce que j'ai compris? Ouais, mais mes enfants, c'était eux qui m'avaient volé. Ah, d'accord. Donc, bah, c'est bon, tu t'as tout réglé alors, c'est ça? Je vais les donner des coups de ceinture. Non, mais c'est bon, Apu. Ils avaient peut-être besoin d'un petit peu d'argent, je pense. Bon, bah, du coup, merci beaucoup, Apu. Et puis, bah, on se reverra plus. Vas-y, allez, bisous. Moi. Allez, on y va. Ciao. Ok, bon, les amis, vous avez pu le voir, Apu, on a vraiment eu de la chance, hein, parce qu'il avait tous les articles comme il nous les fallait. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant partir en direction de chez Gouspier. J'espère qu'il va pouvoir faire la potion assez vite. Et puis entre temps, il va peut-être me passer des œufs d'araignée pour que je puisse les tuer et tout devant mes enfants avec des armes et tout. Donc c'est parti, voilà, hop, on va partir voir Gouspier. Ok, Gouspier, t'es ouais. Là okay. Ouais. Bon, c'est bon, j'ai tous les ingrédients dont tu vas avoir besoin. J'ai pour faire la potion. Donc du coup, tiens, regarde, fiole d'eau, des chaudrons, des bâtons de blaze, des trucs d'araignée, du slime et puis même des briquets. Voilà, t'as tout ce qu'il faut. Bon. Allez, on va aller dans le jardin. Tu vas faire la potion où du coup tu penses? On va faire ça ici. Ok, parfait. Alors, et puis hop. Du coup, je t'as des bâtons ou pas? Des bâtons. Ouais, je devrais en avoir aussi. Des bâtons normaux. Ouais, des bâtons. Ouais. Ok, ouais, bah je devrais avoir ça. J'ai cherché, attends, 2 secondes. Ouais, tiens. Ok, mais alors du coup, ouais, Gouspi, est-ce que t'aurais pas par hasard des œufs d'araignée? Parce que en fait, justement, des œufs d'araignée. Ouais, parce que justement pour le troll de mes enfants, il faut que je pose des araignées pour que je leur fasse croire, tu sais, qu'il y a une invasion, tu vois. Et je voulais savoir, est-ce que t'as des œufs d'araignée toi? Ouais, je crois que je peux avoir ça. Ouais. Faut que je regarde, attends, je regarde dans le coffre magique. Ouais, vas-y, regarde dans ton coffre vite fait, ça pourrait vraiment être cool. Et puis du coup, bah moi, vous inquiétez pas, dans mon endroit, j'ai des armes. Ok, donc c'est bon, des œufs d'araignée. Ouais. Alors. T'en aurais pas un peu plus? Ah, parce que là il y en a un, ouais, il m'en faudrait 64, tu vois, un bon paquet, comme ça ils vont vraiment croire qu'il y a une invasion, tu vois. Tiens. Vas-y. Nickel, hop. Parfait. Et ok, hop, bah du coup, je peux repasser dans combien de temps chercher la potion? Dans 5 minutes. 5 minutes? Ok, ça marche. Ouais. Bon, ok, parfait. Let's go. Donc ce qu'on va faire les amis, c'est que maintenant je vais partir en direction de la maison. Et puis je vais donc du coup commencer à poser des araignées, etc. Pour du coup leur faire bien croire comme quoi il y a donc une invasion d'araignées et qu'il faut se protéger. Et qu'il faut d'ailleurs tuer toutes les araignées. Donc je passerai du coup à mes enfants des armes et tout pour qu'on les tue. Et puis vous allez voir que ça devrait vraiment être cool. Et puis évidemment après je ferai genre que je me fasse mordre et tout et que je pars à l'hôpital. Sauf que du coup sur la route je me transformerai en araignée parce que je partirai chez Gouspi. Voilà. Donc c'est parti, voilà, je vais à la maison. Voilà, normalement mes enfants ils sont encore enfermés. Ah bah regardez, ils ont mis des trucs de sécurité pour pas qu'on se fasse attaquer, regardez ça. Alors il écrit quoi? Barricade fait par Tutui Lola. Le premier qui rentre, on le ragal. Oh là là, ok d'accord, donc regardez-moi ça, il protège bien les endroits et tout. Ok les enfants, vous êtes là? Wow, c'est moi. Baisse ton arme Lola. Alors ouais, par ouais. Contre, tu l'as trouvé où cette arme là? Comment dire? Non, je vous ai jamais autorisé d'aller dans ma base secrète par contre, hein, donc ça va pas le faire. Bon écoute, Lola, là t'as raison sur le coup, on va avoir besoin d'armes, mais du coup, d'accord, toi aussi tu t'es servi dans ma base? Oh bah ok, ça va, je vous dérange pas vous, ok. Donc regardez, il y a Twitwi, Lola, ils avaient des armes totalement sur eux. Il faut une droite, bon. Il est choqué. Et bah moi aussi, ce que je vais faire, c'est que moi aussi je vais prendre du coup une petite arme sur moi, donc hop, c'est parti, voilà, on va prendre du coup une arme comme ça. Ok, bon, l'invasion d'araignée devrait pas tarder à arriver, donc ce que je vous propose, les enfants, c'est que vous deux, vous mettez, vous savez, sur un palier, enfin, sur un endroit en haut pour tuer les araignées, et puis moi je vais aller en bas directement au corps à corps. Ok, donc qui se met ici, là, du coup, là? Voilà. Moi. Ok, donc Lola il se met là. Oui, là j'ai gommé. Ok, Twitwi il est où là? Je le vois pas. Ok. Moi. Twitwi, suis-moi. On va aller par ici. Donc du coup toi t'attaqueras les araignées d'ici. Donc voilà, juste là, voilà, tu te mets ici. T'as un petit poste assez cool, voilà, où tu peux te poser. Et puis bah du coup moi je resterai en bas, d'accord? Papa. Allez les enfants, c'est parti, prenez vos armes, prenez vos casques et tout, là ça va être la guerre là. Exactement Lola, que la force soit avec vous aussi. Donc du coup voilà, Lola, allez, t'es prête pour le combat Lola? Oui, j'ai gommé des araignées. Ouais, c'est super. Bon, tout le monde est content les amis, on va du coup passer à l'attaque des araignées. Et donc du coup c'est parti, on va commencer à poser des araignées. Donc du coup je vais commencer à en poser quelques-unes. Ok, donc du coup tac. Ah oui, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je vais me mettre en mode spectateur, comme ça personne ne me verra. Voilà, parfait. Ok. Donc du coup on va placer des petites araignées un peu partout. Donc du coup voilà, hop.
il va commencer à en avoir pas mal. Et puis du coup ce qu'on va faire c'est que bah moi évidemment je vais donc du coup et bah me faire attaquer. Je vais me faire du coup piquer par une araignée. Donc du coup voilà, regardez-moi ça, il y a des araignées partout. Ok, et donc maintenant c'est parti, je vais en mettre devant. Ouah les enfants, vous avez vu, il y a des araignées partout. Vite vite, tuez-les. Ouais, ok ok. Bon. À mort les araignées. À mort les araignées, voilà, il faut tuer toutes les araignées, regardez-moi ça. Elle grimpe sur la maison. Ah bon, elle grimpe sur la maison. Ok vite, attaquez-les. Ok. Attends, je grimpe sur le toit. Ah, okay, je les attaquer comme dans Star Wars. Vas-y, attaquez comme dans Star Wars, Lola. Okay. Bon, pop. Voilà, faut tuer toutes les araignées, voilà. Ah ok, bon, les amis, là c'est le moment de faire genre. Aïe. Aïe, il y a une araignée qui vient de me piquer. Aïe. Aïe. Ah, je veux me faire piquer par une. J'ai super balle. Les enfants. À partir de maintenant, papa est plus notre père. Les enfants, je ne me faire piquer. Je vais prendre son héritage. Les enfants, je ne me faire piquer par une araignée. Venez m'aider, s'il vous plaît. Bah, rentre plus. Aïe. Attends, mais les enfants, vous êtes sérieux? Ok, bon, vous avez vu les enfants comment ils ont réagi? Bon, et rien que parce qu'ils ont réagi comme ça, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais me venger. C'est parti, voilà, je vais partir en cachette, vite fait chercher la potion et me transformer en araignée devant eux. Vous allez voir que là, ils vont plus avoir le même discours du tout. Donc, c'est parti, allez hop, on fonce tout droit chez Gouspi. J'espère qu'il a fini la potion parce que là, ça va être l'heure que je me transforme en araignée. Et vous allez voir que là, ça va pas se passer comme bah, pareil. Ok, donc du coup, let's go, voilà. Hop, on va aller là, ici. Oh, what? Ça a marché pour Gouspi. Ouais, j'ai goûté un peu la potion et ouais, je crois que ça marche. Ouais, Gouspi, j'ai pas tout bu, hein. Quelques petites gouttes. Ah oui, bah je crois que même quelques petites gouttes, ça suffit largement. Je crois que je vais juste en boire quelques gouttes aussi, hein. C'est encore plus. Non, stylé. Si tu veux vraiment transformer en toute araignée, il faut vraiment tout boire. Ok, bon bah écoute, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par quelques gouttes et après je vais le boire en entier. Je vais la boire en entier, bah devant eux, ok. Ok. Vas-y, bah je commence déjà à boire quelques petites gouttes, voilà. Ok, c'est bon, j'ai bu quelques gouttes, ça a fait quelque chose ou quoi là? Attention, ouais. Attends, tu peux pas poser un miroir vite fait dans ta maison pour que je vois si je suis transformé en araignée? Alors là, un miroir, attends, est-ce que j'ai ça? Vas-y, pose un miroir dans la maison. Ok, donc du coup, attends, je te mets un miroir. Vas-y, pose les miroirs. Du coup là je me mets là. Wow. Ah ouais, d'accord, comme toi en fait, j'ai les mêmes trucs que toi. Ouais, bah dis donc, c'est trop stylé. Eh mais là ils vont avoir super peur là mes enfants, hein. Ils vont dire, c'est qui ça, papa, il s'est transformé en araignée et tout. Oh là là. Écoute, merci beaucoup Gouspi. Donc du coup tu me dis que si je bois la potion entière, je serai une araignée tout court. Si tu bois en entier, ce sera vraiment une araignée, hein. Ok, mais t'inquiète pas que là je pense que là je fais déjà bien peur, non, tu penses pas? Ouais, mais ils vont comprendre que. Voilà quoi. Ok, bon bah écoute, je vais déjà aller comme ça pour les voir, on va voir comment ils vont réagir et puis je vais boire la potion en entier devant eux, ok. Vas-y, merci Gouspi en tout cas, hein. Vas-y, moi du coup je file, hein. Allez, à plus. Oh là là, les amis, regardez ça. Et vous savez quoi, dans les commentaires déjà, mettez-moi une note sur 10 de comment vous me trouvez là, en déguisé en araignée et tout. Et puis du coup maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur faire peur et tout. Je vais essayer de faire comme si j'allais les mordre. Évidemment, je vous rappelle, c'est un déguisement, donc du coup je suis pas une vraie araignée. C'est un déguisement qui du coup sera temporaire, peut-être qui va durer 1 heure, 2 heures les faits, je sais pas combien de temps ça va durer. Mais donc du coup, hop, c'est reparti. On va aller voir les enfants et là vous allez voir qu'ils vont du coup commencer à paniquer et tout. Donc du coup, hop, c'est parti, voilà, on va rentrer à la maison. Donc du coup, voilà, tac, tac, hop, on va rentrer par là. Hop là, salut les enfants. Alors, c'est qui qui avait parlé d'héritage là? Eh, revenez là tout de suite. Oh les enfants, je vais tirer. Ah, tu pars où Lola? Tu pars où? Eh, revenez là les enfants. Ok, bon, vite, ce qu'on va faire les amis, c'est qu'on va fermer toutes les portes. Comme ça ils vont pas avoir le choix que de rester avec moi. Donc du coup voilà. Bon, du coup là les enfants, ils ont pas le choix que juste m'écouter parce que j'ai fermé toutes les portes. Bon, bon, j'ai cru comprendre comme quoi ça parlait un petit peu mal de moi. Qu'est-ce qui s'est passé du coup les enfants là, hein? T'as rien entendu, t'as rien vu. Vous avez vu qu'est-ce que j'ai sous mes pieds là? Eh, je suis devenu une vraie araignée. Et faites attention à vous parce que à tout moment je peux vous mordre un petit peu. Et vous aussi vous allez vous transformer en araignée et tout, hein. T'as plus de poils avec les pattes d'araignée. T'as vu ça? J'ai des gros poils, hein. Mais fais gaffe à ce que je te mords pas pendant la nuit, parce que si je te mords, tu pourrais avoir très très mal, hein. Soit tu meurs, ou soit toi aussi tu te transformes en araignée. Hein? Spider-Coton. Lola, à ta place, Lola, je rigolerai pas, hein, parce que ce soir, je pense pas que tu vas rigoler quand je vais te mordre. T'es pas cap, j'en suis sûr. Enfin, je crois. Vous êtes sûr que je suis pas cap?
Ouais, donc, tu vas jamais me faire de mal. Vous avez l'air bien, vous avez l'air d'être bien confiant. Ce qu'on va faire, c'est que, attendez, je vais monter vite fait en haut. Voilà, ce qu'on va faire, c'est que je vais du coup condamner chaque issue. Voilà, comme ça, ils vont pas pouvoir sortir. Donc, regardez la porte ici. Voilà, on va fermer l'issue, comme ça, ils sortent pas. Bah, les fenêtres, dans tous les cas, ils peuvent pas les casser. Ils ont pas assez de force. Nickel. Voilà. On va vite fait aussi aller condamner la fenêtre que j'ai laissée ouverte à Tutui. Voilà. Et puis, du coup, maintenant, les enfants, ils vont pouvoir aller dans leur chambre. Ok, donc du coup, vous avez dit quoi déjà? Que j'en serais pas capable? Bah ouais. Ouais. Ok, bah c'est ce qu'on va voir du coup. Bah écoutez, allez, montez dans votre chambre les enfants là. Allez dormir là, je pense. Il va commencer à se faire tard. Allez, au lit les enfants. Et passez-moi vos armures. Et toi, tout de suite, je sais pas t'as volé ça où, mais rends-la moi tout de suite. Rends-moi ton armure. Ok, et que je te revois plus avec des trucs comme ça. Hein. Ça c'est à moi ça. Voilà. Promis. Ouais, c'est ça, je promis. Je vais cracher. Hop là. Et bah du coup, là, allez, vas-y, toi aussi, rentre dans ta base toi aussi. Oh, tiens, par contre, mon armure. Ok, bon, et bien du coup les amis, c'est bon, voilà, comme vous avez pu le voir, mes deux enfants sont partis dans leur chambre. Voilà, ils me croient pas comme quoi, je vais les mordre, etc. pendant la nuit. Et bah ce qu'on va faire, c'est que bah on va attendre tranquillement qu'il fasse nuit. Et puis une fois qu'il va faire nuit, et bah on va rentrer dans leur base en araignée et tout. Et puis on va voir comment ils vont réagir, mais franchement je pense que ça va être vraiment drôle. Donc du coup voilà, on va attendre. Ah bah regardez, ça y est, il fait nuit, parfait. Bon, du coup c'est parti, voilà, je pense que là les enfants ils doivent être en train de dormir dans la maison. On va aller voir vite fait, tac. Alors qu'est-ce que fait Lola? Bah du coup elle doit dormir, c'est sûr. On va aller voir quand même. Ok, bon, Lola elle est en train de... Oh mais, what, elle dort, je suis bien. What? Elle est somnambule ou quoi? Regardez-moi ça, elle dort même pas dans son lit. D'accord, ok, et on va aller voir tout de suite. Ah, tout de suite par contre lui il dort bien dans son lit là, c'est parfait. Bon, du coup tac, ce qu'on va faire c'est que... je sais pas si... Je dirais pas... Ouais bon, allez c'est parti, on va aller faire peur à Lola. Je pense que là elle va vraiment avoir peur. Hop, on va rentrer vite fait dans son... On va vite fait rentrer devant elle et tout. Quoique, on va lui faire peur à tout de suite. Celui qui est dans son lit et tout, ça va vraiment encore plus lui faire peur. On va se mettre juste là. Hop, et je vais commencer à le toucher avec mes pattes d'araignée. Tac, tic, 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 tic. Salut. Non, tu vas pas sortir. Tu vas pas sortir. C'est moi qui ai la clé, j'ai fermé la clé là. Hop, tu sortiras pas de la chambre. Bon, du coup, Tui, c'est toi qui dis comme quoi tu me croyais pas que j'allais te mordre, c'est ça, hein? Tu crois pas que, bah ouais, que je suis capable de te mordre là du coup avec mon truc, mon déguisement d'araignée? Attends, vas-y, ouais, fais voir ton... Attends, fais voir ta main vite fait, ou ta jambe. Ouais. Vas-y, fais voir. Hop là. Ouais, ça y est les amis. Bon, en réalité, voilà, comme je vous l'ai dit, hein, il se transformera pas en araignée puisque c'est juste une potion. Quoique, ce qu'on pourrait faire, c'est que je mette aussi mon fils dans le cou, je lui passe la potion, il va se transformer en araignée et puis après on va faire peur à l'eau. Allez, tutui. Goûte ça vite fait pour voir. Goûte ça, okay. Goûte une petite goutte de ça. Je suis sûr que ça pourrait être drôle. Non, bah, bois pas trop. Oula, oh, oula. Oula. Tu veux pas me passer la potion peut-être là? Ouais, tiens. Oula. Alors je crois que tu viens de vider la potion. Attends, mais il va se... A mon avis, les amis, il va se passer un truc là. Je crois qu'il va se transformer en araignée lui aussi. Ouais. Ça va? Non, je suis bizarre. Il sent bizarre. Attends, les amis, je crois que Tutui, si je dis pas de bêtises, il va se transformer totalement en araignée. Oh, Tutui, t'es sûr que ça va là? Ouais. Je te vois plus bouger et tout là, c'est vraiment bizarre. What? Ça y est, il se transforme en araignée. Ok, bon, Tutui, maintenant que t'es une araignée, ouais, viens, on va aller faire peur à Lola. Viens. Ok. Tac. Ok. Salut Lola. Bon, tu veux que je te présente ton frère Tutui ou pas? Regarde. Oui. Regarde, Tutui, regarde, Tutui, regarde, c'est là. voilà, donc du coup, ça y est, Lola, elle a complètement trop peur. Oh, et bah, Tutui, vas-y. Le premier qui m'approche, je casse taille. Tutui, vas-y, fais des guilis à Lola, là, vas-y, va lui faire des petits guilis. Voilà. Nickel, bon, allez, hop, c'est bon, moi, je pars d'ici. On va partir loin de la maison, comme vous avez pu le voir. Et franchement, ce troll, elle a été vraiment drôle. Mais alors, voilà, par contre, le problème, c'est qu'on est du coup toujours en araignée. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je pense que demain, on ira retourner voir vite fait Gouspi pour lui demander qu'il nous refasse transformer en humain normal. Parce que du coup, voilà, on est un petit peu en araignée. Mais bref, du coup, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, hein. Comme vous avez pu l'entendre, s'il y a 5000 pouces bleus, on partira dans l'espace. Et puis du coup, ce sera aussi le retour de Marina normalement. Donc du coup, voilà, mettez tous un petit pouce bleu sous cette vidéo, ça me ferait trop plaisir. Et si tu ne l'as pas encore fait, n'hésite pas aussi à pourquoi pas t'abonner à la chaîne YouTube en activant la cloche de notification. Ça me ferait extrêmement plaisir et merci à tous ceux qui le feront. Et puis n'oubliez pas que tous ceux qui deviennent sponsors, je les dédicace en début de vidéo. Donc du coup, si jamais tu deviens sponsor aujourd'hui, bah tu seras dédicacé demain. Donc merci en tout cas à tous les nouveaux sponsors chaque jour, ça me fait trop plaisir. Et puis voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une bonne fin de soirée et à la prochaine. Allez, ciao ciao.